Ben, pour l'instant, le bilan est très positif. On a pratiquement 155 engagés sur toutes les courses de la journée. Ça en fait un des plus grands événements de VTT en Corse depuis plusieurs années. Le parcours a changé, était un peu plus court, mais un peu plus physique, hein, très technique, mais aussi très ludique, pour plaire un peu à tout le monde. Encore le même vainqueur que l'an passé, il est imbattable ? Pour l'instant, oui. Thomas est très très fort depuis plusieurs années, quand il était sur le continent et depuis qu'il est ici. Il fait des grands résultats au niveau national, donc ça ne nous étonne pas trop. C'est un circuit qui me plaît, ouais. Mais bon, il est mieux que l'année dernière. Ouais. Plus de parties techniques. Donc voilà, c'est. Puis l'enchaînement du coup de démonter, ça fait monter le cardio, quoi. C'est plus physique, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé plus dur que l'année dernière, ouais. Ouais. C'est chouette là au Pignon. Enfin, franchement, on s'est régalé. Une belle journée, beau temps. Il y avait de la concurrence, enfin, des gens du continent, là, donc ça faisait un peu plus de monde sur la ligne de départ. C'était top, ouais. Je me suis régalé. Il valait mieux l'avoir reconnu plusieurs fois parce que les descentes n'étaient pas évidentes. Et voilà, après, donc c'était ça ma crainte, c'était de tomber. Ça va, je suis tombée, mais pas là où je vous c'était le plus dangereux, comme souvent aussi. Et voilà, après, je me suis bien bagarrée avec d'autres garçons, donc c'était bien.